on a enfin fait un match qui est digne, propre, tout va bien. Et c'est un putain de bordel, on est en finale les gars! J'ai flippé jusqu'au bout, on commençait déjà à chanter on est en finale au bout de la 85e, moi jusqu'au bout, j'ai vu 6 minutes de temps additionnel, on tenait plus. Et là ça fait vraiment du bien, on est soulagé. On a vécu ça il y a 2 ans pour l'Euro, mais là c'est pas pareil, c'est la Coupe du Monde. La pression de bout en bout, l'arrêt de Lloris énorme, c'était exceptionnel, exceptionnel. Exceptionnel. Bravo, merci la France, merci. C'est nos cousins, on les aime, mais ce soir on les a battus quoi. On peut pas être de la famille partout tout le temps. Ouais, mais ils sont avec nous, c'est la même victoire. Merci les Belges. Moi je suis pas forcément très bonne en foot, mais pour autant, genre là c'était vraiment une ambiance de folie. Normalement je suis censée bosser dimanche pour la finale et comme on vient de gagner, je suis peut-être que je vais pas bosser. On a eu une défense extraordinaire. On a eu un Raphaël Varane qui a été le dieu de la défense. Très très bien construit et honnêtement le match était très tendu mais en même temps vraiment beau. C'était pour moi l'un des meilleurs matchs en tout cas de cette Coupe du Monde. Très tendu, c'est la folie. Très tendu parce que les Belges sont super bien joués quand même. Et mais on est quand même trop contents. On est en finale.